Monsieur, merci. Vous présentez History Dream dans le quintet de samedi à Longchamp. History Dream qui reste sur une sixième place à Vichy. Qu'avez-vous pensé de lui ce jour-là? J'ai pas aimé, pour vous dire sincèrement. J'ai pas aimé. Je pense que voilà, le fait de le courir un petit peu rapproché à Vichy notamment, le déplacement plus la chaleur, coup sur coup deux fois à Vichy, je pense que ça a joué sur sur pas mal de choses quoi. Donc voilà, je pense qu'il était trop défraîchi. C'est pas une histoire de qualité de l'eau puisque je le courais la dernière fois parce que je pensais que l'eau était à sa portée. Mais voilà, pas un jour sans. D'accord. Ce propre frère de Saga Dream revient sur 2800 mètres, ça va pas le gêner. Hein. Non, ça va pas le gêner. Il a énormément de fond. C'est un cheval qui a énormément d'abattage. Donc, il a prouvé, il a fait l'arrivée à Nantes sur 3100, il a l'arrivée à Nantes sur 2004 aussi, il a gagné à Nantes. Donc, l'allongement de la distance n'est pas un souci. Le terrain, je pense pas que ça lui pose de problème, au contraire. Donc, maintenant, voilà, on demande à voir sur les courbes de Longchamp avec la grande ligne droite. Je demande à voir. Longchamp, il a couru qu'une fois, ça s'était passé moyennement, c'était en tout début de carrière. Ouais, voilà, ça s'était passé moyennement, le cheval ne comprenait pas encore ce qu'on lui voulait. Nonchalant, pas très courageux, voilà. Là, le cheval a acquis pas mal de maturité. Il a encore besoin d'acquérir de la maturité, notamment pour évoluer au niveau du handicap. Maintenant, sur cette distance-là, je pense que voilà, il peut bien courir. D'accord. Voilà. Avec ce petit poids, et faire de grappiller une place, c'est plutôt dans cette optique-là. Ouais, le but pour un premier, parce que bon, il a couru un premier quintet à Vichy, mais pour un premier quintet, on va plutôt monter assez cool, et puis qu'il vienne manger des chevaux, et utiliser la ligne droite de Longchamp pour venir une fois bien lancé. Une fois lancé, c'est un cheval qui a un bon finish. Donc, voilà, 52 kilos, de 2008, il sera associé à Alexis Badel. Voilà, j'ai hâte de voir les 200 derniers mètres.